Diane ou la vengeance de Cupidon est un opéra de Reinhard Kaiser, créé à Hambourg en 1712, puis remanié en 1724. Musicien célèbre en son époque, Kaiser sut réunir les styles français et italien. Cette démarche originale fait de lui une personnalité musicale fascinante. En interprétant cet opéra, Génération Baroque fait découvrir la somptueuse musique de Kaiser, ainsi que de jeunes talents venus du monde entier. Génération Baroque, c'est pour moi un outil que j'ai créé pour former autant que pour interpréter ou pour faire des recherches. Kaiser est un compositeur à redécouvrir, l'œuvre a beaucoup de séduction. Le thème de l'interdiction d'amour, ça a été pour moi le plus intéressant, puisque la règle de cette Diane, de cette déesse de la chasteté et de la chasse, c'est une règle tragique, d'interdire d'aimer. Aujourd'hui encore, aimer tue. Dans certains pays, dans certaines familles, l'amour est interdit. On ne peut pas se marier ou choisir l'amant ou la femme ou l'être aimé. Et je trouve que cette pièce parle de cette violence, de cette terreur que vivent les femmes qui peuvent être persécutées en France, bien sûr, mais aussi dans le monde entier. Les minorités sexuelles aussi qui sont réprimées. Et cette pièce parle de cette interdiction d'amour. Donc le personnage de Cupidon, qui est un être merveilleux, est un être qui va amener l'amour et la compréhension entre les hommes et les femmes et la paix. Es war wirklich sehr eine schöne Erfahrung im Sinne von Gruppenzusammenarbeit und dass dadurch, dass wir sehr wenig Zeit hatten, musste jeder sehr schnell seine Rolle finden und übernehmen in der Gruppe, nicht nur auf der Bühne, sondern auch danach oder dahinter. Und das ist sehr gut, weil man kommt manchmal in ein professionelles Umfeld rein später, wo man nicht viel Zeit hat und sofort arbeiten muss und sofort wissen muss, was zu tun ist und welches die eigenen Aufgaben sind. Und deswegen finde ich das nicht nur eine schöne Erfahrung, sondern auch eine wichtige Erfahrung in dem Sinne. Thank you.
einerseits eben sehr viel Humor und gerade mit Silvano und Cupido auch sind sehr, sehr lustige Figuren in dem Sinne, freche Figuren, aber es gibt auch sehr viel tragische Momente und sehr viel ernste, ernste Momente in der Oper. Le test lumière qu'on fait avec la scénographe Anita, c'est d'essayer de rendre aussi les choses un peu illustratives avec un système de projection d'images qu'on va tester avec des nouvelles sources de lumière grâce à des projecteurs à LED qui ne chauffent pas. Du coup, on va pouvoir utiliser des plaques de verre que Anita aura dessinées et que moi je vais projeter en fond du décor à partir de la production. Ich habe für die Produktion die Bühne und die Kostüme gestaltet. Mir hat es vor allem Spaß gemacht, mit Benjamin Prinz zusammenzuarbeiten. Und in der Findung des Konzeptes sind wir auf die klasse Idee gekommen, das Ganze in ein Studio-Setting zu setzen, indem man praktisch live einen Live-Dokumentarmitschnitt erlebt, eben als Zuschauer in einem archaischen Setting. Also ich war sehr inspiriert von Höhlenbildern von einer Ausstellung in Berlin, die wir dann verwandt haben. Und daher kommt auch dieser wunderbare Wald hier, dass es einfach in der Natur ist und auch die Urinstinkte des Menschen für Zuneigung, Liebe eigentlich gespiegelt werden, also in der ganz, ganz großen Einfachheit. Und das genau das ist die Botschaft ist, die Menschen auch brauchen, dass es einfach wieder zurück eigentlich zu den Wurzeln der Menschen geht, in der Zuneigung, in dem Miteinander und in dem friedlichen Miteinander. Réalisation de la basse continue avec cet instrument-ci, donc un théorbe de la famille des luths, et également sur la guitare baroque. Donc c'est la troisième fois que je travaille avec Martin sur un projet d'envergure parce que j'aime beaucoup sa manière de travailler. C'est quelqu'un de profondément très attaché à la musique ancienne qui, je trouve, la comprend vraiment bien et avec qui c'est toujours un plaisir d'échanger, de travailler sur le mouvement de danse, sur la prosodie des chanteurs, sur la façon d'accompagner tout ça et de mettre en place un spectacle de la meilleure qualité qui soit. Et moi, je trouve ça très intéressant et c'est pour cette raison-là que j'ai répondu présent encore cette année à sa demande. Thank you.
les chanteurs vont et viennent entre le metteur en scène et la musique elle-même, entre le travail vocal, sous la direction de coach, le travail scénique, le travail avec le claveciniste, le travail avec l'orchestre. Il y a constamment une circulation. Ça fait appel beaucoup à l'art à la fois gestuel, de la parole, de la musique, d'une manière très intégrée. Das ist das Beste. Das ist nicht freie Mag, das ist das Beste. Das ist das Beste. Das ist das Beste. C'est vraiment un esprit de troupe, c'est-à-dire que les chanteurs et les musiciens vivent ensemble et partagent tout ensemble. En ce sens, c'est très intéressant pour un chanteur de participer à un atelier opéra spécialement destiné à la musique baroque, où il peut à la fois relier le geste à la parole à la musique, et tout à la fois. Et pour les musiciens, c'est très intéressant de pouvoir travailler d'une manière très proche avec le chanteur et de voir l'élaboration depuis la lecture de la partition jusqu'à l'interprétation sur scène, à côté du chanteur, que tout se forme en même temps, que tout prenne forme. Il s'agit vraiment d'une société idéale qui se retrouve pendant un temps donné, qui est assez court. Et ça nous oblige à nous surpasser quand nous disons combien de temps nous avons passé ensemble. Le public souvent ne le croit pas.